Bonjour et bienvenue pour ce taroscope pour les Vierges pour le mois de novembre 2020. Alors, taroscope qu'on va réaliser avec ce jeu, l'oracle Spirit. L'oracle qu'on ne se sert pas souvent finalement, mais avec lequel on peut faire beaucoup d'associations, c'est pour ça que je l'aime bien. Et puis derrière, on ira voir les cartes oracle des libérations énergétiques. Voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci, les Vierges. Et puis on ira faire un tour dans les cartes oracles de l'abondance illimitée. Et on terminera par le Tao. On ira chercher une carte et qui nous parlera soit de ce qui se produit chez vous au mois de novembre, les Vierges, soit une synthèse, en tout cas si on peut avoir d'autres informations dans le Tao. Alors c'est parti, on va commencer par le Spirit. Pour les Vierges pour le mois de novembre 2020. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vous lire sous ces vidéos. J'aime bien voir vos ressentis. J'aime bien savoir si ça vous parle, si ça répond à vos questions. Et puis, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Pour les demandes de guidance personnalisées, vous pouvez m'envoyer une demande et je vous réponds avec un grand plaisir. Là, je suis un tout petit peu en retard parce que j'ai reçu beaucoup de mails et des fois j'attends un peu les réponses au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, je lis tous vos mails. Alors, on va aller les chercher parce qu'elles ne viennent pas. Alors, on va prendre 9 au total. L'avantage avec ce jeu, c'est quand on fait, c'est il y a de grandes possibilités dans cet oracle. Et c'est ça que j'aime bien. On a beaucoup de réponses aux questions. Alors, on y va. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le dos de deck nous parle de l'arbre. Donc, l'arbre, c'est la santé, c'est la vie, c'est la force. Ici, on parle de vous, de votre énergie physique, mentale, morale, psychique. En tout cas, ici, on en parle beaucoup chez vous, les Vierges, au mois de novembre. Alors, la première carte, c'est la carte du serpent qui est tombée. Celle-ci, elle nous parle de méfiance. Elle nous parle de médisance, de calomnie. Derrière, on a la carte de la maison qui nous parle du foyer, de la paix, de la famille. On sort la protection spirituelle, la charité, la bonté pour les vierges. La lune qui nous parle d'honneur, d'orgueil, mais aussi d'intuition. On a les nuées. Donc là, on parle des relations. La nuée, souvent, on parle des mauvaises relations. On parle du caducée de la paix. Donc ça, ce sont de bonnes surprises. Hein. Ça. Derrière, on a l'étoile. Donc ça, alors ça, c'est beau. C'est magnifique parce qu'ici, on parle du succès dans la carrière. Et puis, on a le renard. Le renard qui nous parle de méfiance et de fausseté. Alors, on va faire les associations pour voir un peu ce que ça nous dit. Pour vous les Vierges, pour le mois de novembre. Alors, on a la calomnie. Alors, la calomnie, ici, ça nous parle aussi de danger sur l'eau. Cette carte du serpent, si vous avez l'occasion de partir en voyage sur l'eau, faites attention. Avec cette carte, c'est ce qu'elle nous parle. Alors, ici, on a le renard. Alors, le serpent plus le renard. Ça nous parle de trahison, mais de trahison dangereuse, les vierges. Donc là, moi, je vous le dis, faites attention, hein, les vierges. Il y a de la trahison, là, ce mois-ci, au mois de novembre. Ça pourrait vous causer vraiment des. S'il y a des. Servez-vous de votre intuition. On a la lune en plein milieu de votre jeu. Donc, servez-vous de votre intuition. Si votre intuition,
vous met en garde face à une situation, face à quelqu'un, à quoi que ce soit. Écoutez votre intuition parce que là, les vierges, franchement, là, il se pourrait qu'il y ait des médisances, des calomnies, mais il pourrait y avoir quelque chose qui sonnerait. C'est de la trahison, mais c'est dangereux quand même. Alors, on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, par exemple, si on veut l'associer avec le caducée, ici, on pourrait parler. Alors, le caducée, ça, c'est des surprises heureuses, hein. Donc, ici, on pourrait avoir la visite de quelqu'un au mois de novembre, de très inattendu, hein. C'est une visite très inattendue, mais c'est une visite qui vous met en joie. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous fait très plaisir, les vierges. Et là, on a vraiment une... Attendez-vous à voir quelqu'un quand même arriver chez vous ou dans votre... Enfin... Oh, moi, je pense que c'est quelqu'un qui se déplace chez vous, là, et c'est quelqu'un qui vous surprend, mais vraiment joyeusement. C'est... Ça, c'est de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah, avec la charité. Oh, la charité, le caducée. Et la maison. Ici, vous pourriez avoir la visite d'un être cher. Ça pourrait même être l'être aimé ici. Là, c'est quelque chose qui vous met en joie, mais en plus, il y a beaucoup d'émotions dans cette visite. Là, il y a vraiment, c'est vraiment ce que ça nous dit ici. Ça nous annonce aussi de la sécurité matérielle. L'étoile avec la maison, ici, ça nous parle d'un succès et d'une... Il y a une sécurité matérielle là-dedans. Donc là, les vierges, bon, faites gaffe quand même avec cette trahison là qui traîne en début de jeu, mais ici, ça nous parle vraiment de succès et de sécurité matérielle. Ici, vous pourriez voir une somme d'argent arriver. Attendez un peu que je regarde s'il y en a d'autres choses qui pourraient. On pourrait voir. En tout cas, si j'associe ça avec la Lune, par exemple, les Vierges. Ici, on nous parle d'efforts récompensés. Il y a vraiment. Ici, il y a la notion d'efforts récompensés. Ici, ça vous met en joie. Il y a quelque chose. Là, il y a un succès. Il y a quelque chose de beau là chez vous. J'ai envie de vous dire, là, ça va. On dirait que vous y attendez quand même un peu à cette récompense. Mais là, il y a quelque chose là qui va vous faire décoller les vierges. Hein. Ça, là, vraiment, ça vous fait décoller. Et c'est vraiment pas mal. Par contre, faites attention à ce qu'on appelle les mauvaises relations, là. Ici, parce que les nuées, par exemple avec le serpent, ici, ça nous parle des cancans, ça, c'est de la médisance. Hein. C'est des... On pourrait appeler ça des langues de vipère. Ici, on vous demande d'être prudent. Hein, on vous demande d'être prudent. Parce que ça, c'est, j'ai envie de vous dire, de la méchanceté gratuite. Donc, soyez prudents, les vierges. Ne confiez pas vos secrets à n'importe qui parce que ici on pourrait vous les divulguer. Pardon. Et vous pourriez être blessé vraiment moralement avec ça. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire une association avec d'autres cartes? Parce que l'étoile, celle-ci, elle est vraiment pas mal, hein. Parce que l'étoile avec la lune, ça, c'est du succès, c'est même de la gloire. C'est du succès, c'est de la gloire, ça. Là, les vierges, ce mois-ci, vous êtes récompensés, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes. Là, il y a une sécurité matérielle qui s'installe. Il y a quelque chose que vous attendiez qui arrive. Qui va vraiment vous faire du bien ici, c'est vraiment ce que ça nous dit pour vous, les vierges. Là, sérieusement,
Donnez-moi de vos nouvelles. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle. En tout cas, là, vous avez de la protection. Vous êtes protégé. Alors, c'est soit par une âme, soit par quelqu'un. Mais enfin, en tout cas, vous avez un ange gardien ici avec vous, les vierges. Donc, avec quand même cet arbre, lui, il nous parle de vitalité, de santé, de vie, de force. Derrière, on a la cigogne. Hein. La cigogne s'annonce un changement. C'est un changement très positif, ça. Hein. Donc, là, les vierges, moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Il y a juste cette histoire-là de calomnie ou de trahison là, qui traîne. Et ça, par contre, soyez méfiants. Alors, on va aller voir dans les cartes des libérations énergétiques. On va aller voir ce que ça dit, ce que ça nous présage. Parce que ici, vous êtes en train de libérer des choses ici, les vierges. C'est tant mieux parce que enfin vous vous offrez à l'abondance. On parle de souffrances émotionnelles. Pardon. Les souffrances émotionnelles qui sont certainement arrivées au printemps, parce que c'est la saison que cette carte nous donne. Ici, il y a de la libération. Vous vous libérez de cette souffrance. Moi, je dis tant mieux. Parce que là, les vierges, vous en aviez besoin. Alors, on va regarder ce que vous libérez d'autre ce mois-ci. On va aller en rechercher deux. On va aller en rechercher deux. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'estime de soi. Donc là, vous gagnez. Ici, on estime de vous les vierges, c'est tant mieux. Mais enfin, quand on a des bonnes nouvelles comme ça, forcément, il y a de la récompense chez vous ce mois-ci. Il y a de la sécurité matérielle et financière. Donc forcément, vous gagnez en estime et c'est beau à voir, c'est tant mieux. Donc, on se libère de la souffrance émotionnelle qui a pu être causée au printemps dernier. Ici, on a le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, ici, on parle des non-dits. On parle des choses que vous gardez en vous, que vous n'osez pas dire. Ici, vous vous libérez de ça. Hein. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent de faire. Hein. N'attendez pas ad vitam aeternam. Hein. Ne laissez plus traîner ces occasions-là que vous avez de dire ce que vous avez sur le cœur. Allez-y, les vierges. Dites, libérez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous vous libérez ce mois-ci de ça. Hein. Et puis là, on a le chakra du troisième œil. Donc là, le chakra du troisième œil, ici, c'est une vision. C'est-à-dire que là, vous retournez votre regard à 180 degrés. Ici, vous allez consulter à l'intérieur de vous ce qui s'y passe quand un événement se produit. C'est vraiment de la libération, ça. Quand vous faites ça, les vierges, vous vous libérez instantanément de ce qui traîne en vous là, depuis longtemps. Ce retournement de regard vient retourner votre monde aussi bien intérieur qu'extérieur. Il y a là vous il y a vous faites l'effort ici de vous attarder un peu plus sur vos ressentis. Mais tout à l'heure on avait la lune en plein milieu de votre jeu. Ça, c'est de l'intuition, hein. C'est de l'intuition, c'est ce pouvoir féminin que vous avez tous, hein, en vous, homme ou femme. En tout cas, ici, voilà ce qu'on nous dit pour vous. Vous vous libérez de tout ça, les vierges, ce mois-ci. Et moi, je suis heureuse pour vous. Alors, on va aller voir dans les cartes oracles de l'abondance illimitée, savoir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, on a l'espace créateur de l'âme. Le burn-out. Ouais, c'est ce que là vous en sortez de ça. Là vous en sortez et le mois de novembre, oui, il y a des choses qui bougent là pour vous, les vierges. Alors, on va regarder un peu ce que ça nous dit. Allez, la chercher hein, si elle ne vient pas.
Ici, on nous parle de la manifestation flash. Alors ça, c'est beau. En dos de deck, on a les blocages. Donc voilà, donc vous éliminez. Voilà ce mois-ci ce que vous faites, les vierges. Hein. Vous éliminez et vous désherbez votre jardin intérieur. Ici, vous vous libérez de tous ces blocages qui vous freinent concernant l'abondance, concernant tout ce qui vous dérange en ce moment, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Ici, là, les blocages volent en éclats. Ici, on nous parle de l'espace créateur de l'âme. Donc là, c'est le oui, c'est le flux, c'est tout ce qui se passe dans le moment présent. Ici, là, franchement, l'espace créateur de l'âme, c'est cet espace quand vous allez, vous voyez, on revient à ce chakra, le chakra du troisième œil, quand vous retournez votre regard à 180 degrés, vous redescendez là. Quand vous redescendez là, vous vous trouvez dans l'espace créateur de l'âme. Et là, franchement, là, vous faites des miracles. Hein. Là, les vierges, vous faites des miracles. Alors, ça, c'est vous, au mois de novembre, vous parvenez à cet espace du oui, c'est le grand oui. Le grand oui, c'est l'acceptation de ce qui est. C'est ça. Ici, quand vous faites ça, vous êtes dans cet espace créateur. Derrière, on a le burn-out, donc vous revenez à l'équilibre. Ici, cette carte nous dit que pour ceux qui subissaient un burn-out, là, vous revenez à l'équilibre. Vous revenez au respect de vos valeurs. Hein. Ici, vous vous respectez, mais en plus, vous vous appuyez sur vos valeurs là, qui vous sont propres et importantes pour vous. Donc là, voilà ce que vous faites ce mois-ci, les vierges. Et puis, on a la manifestation flash. Donc là, vous êtes en état de gratitude. Vous êtes rempli d'amour face à vos limites. Mais encore une fois, c'est cet exercice du retournement du regard qui vous amène exactement tout ce que vous voulez. C'est hallucinant. Les vierges, c'est hallucinant ce que vous faites ce mois de novembre. Et vous y arrivez très bien. On va aller voir dans le Tao. On va lui demander une carte pour nous dire ce qui se passe chez vous ce mois-ci. S'il peut nous sortir soit une synthèse, soit une information supplémentaire pour le mois de novembre pour vous, les vierges. On va aller chercher. La discipline. Alors, ici, ça, la discipline, c'est l'exercice de l'autorité ici. C'est une mise en place. C'est une mise en place des limites. C'est-à-dire que là, vous posez des limites, vous vous respectez. Enfin, là, les vierges, vous prenez le taureau par les cornes. Vous mobilisez vos forces et là, vous établissez une stratégie. C'est-à-dire qu'enfin, pour une fois, là, vous vous respectez et vous posez des limites à vous, peut-être, mais c'est surtout les limites envers les autres, hein, ici. Vous arrêtez de vous laisser envahir. Mais toute cette souffrance émotionnelle qui s'est réveillée, là, hein, elle s'est réveillée chez vous, toute cette souffrance, vous la balayez parce que vous comprenez beaucoup de choses, là, les vierges, ce mois-ci. Au mois de novembre, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus spirituel qu'à la normale et ça vous réussit parce que là, vous obtenez exactement ce que vous voulez. C'est ce qu'on voyait dans le spirit. Hein. Ici, il y a ces récompenses. Ce mois-ci, c'est de l'argent chez vous, les vierges. Vous êtes déjà le signe que moi, j'appellerais comme un. Moi, les vierges, je les vois comme des écureuils. Ce sont des gens qui aiment bien, qui sont prévoyants, qui aiment avoir de l'argent de côté, aiment pas se retrouver le bec dans l'eau. Ça, une personne du signe de la Vierge ne se sent pas bien quand il se retrouve, quand elle se retrouve face à une problématique financière. Donc là, cet équilibre, vous le récupérez, vous le retrouvez, mais vous allez au-delà, les Vierges, ce mois-ci. Le mois de novembre chez vous va être beau et magnifique parce que vous allez, avant la fin de novembre, vous allez manifester tout ce que vous désirez.
Moi, j'attends de vous lire parce que je suis curieuse de voir comment ce mois de novembre se passe chez vous et à quelle vitesse les choses vont bouger. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt, les Vierges.